Donc effectivement, euh, notre école, euh, c'est un petit peu un titre compliqué, Syndicat intercommunal de la vallée de londaine, mais c'est tout simplement euh, un syndicat qui a permis de regrouper deux communes. Donc depuis 20 ans, les communes de la Ricamarie et du Chambon-Feugeroll euh, se sont associées pour porter une école des arts ensemble, pour permettre de mutualiser les moyens, euh, les moyens pédagogiques surtout, puisque nous avons environ 28 professeurs. Pour, euh, pour 400 élèves. Et euh, donc, les, les activités proposées sont aussi bien la danse, les arts plastiques, euh, la musique ou le théâtre. Alors, euh, si je peux faire un tout petit historique, euh, lorsqu'on a été contacté par euh, Marie-Aline en 2019, euh, on utilisait extrêmement peu les outils numériques, mais on venait de mettre en place un studio d'enregistrement en partenariat avec la mairie du Chambon-Feugerolles et euh, on avait aussi une volonté de développer un petit peu aussi la MAO, euh, voilà, par rapport à un public nouveau, qui est plus orienté musique actuelle, enfin voilà, musiques urbaines. Et on n'avait pas cette offre pédagogique. Donc on était vraiment à l'initiation de, de cette démarche. Donc c'est vrai que la, la proposition de Marie-Hélène d'intégrer un réseau m'a parfaitement intéressée, puisque j'étais vraiment, moi, en tant que prof de piano, très très peu utilisatrice des outils numériques. Et même au sein de l'équipe, voilà, il y avait quand même peu d'utilisation, voire des réticences et des inquiétudes quand même par rapport à des outils qui peuvent oui. faire un petit peu peur, surtout quand on ne les maîtrise pas du tout et oui. qu'on n'en voit pas forcément l'intérêt pédagogique. Et donc, on, on, tout le monde a été unanime pour, pour trouver certains outils, certains outils comme le Padlet, vraiment euh, hyper accueillant, euh, pratique et, et vraiment euh, intéressant. Euh, du côté art plastique, on avait une demande aussi un petit peu qui se faisait jour de travail sur tablettes numériques. Et c'est vrai que toute la démarche initiée donc par le, le, le réseau m'a aidé aussi à, à donner de l'importance à ces outils, à convaincre les élus et, et à acquérir, par exemple, des tablettes numériques depuis. Voilà. Je pense que la situation était très difficile et que chacun on essayait de parer au plus pressé. Donc euh, c'était quand même une surcharge, on va dire psychologique. Déjà il fallait trouver des solutions rapides et là on nous demandait de nous former à des nouveaux outils qu'on ne maîtrisait pas. Alors ça a quand même été, ça a été quand même très 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 bien accueilli, mais on va dire de façon progressive, c'est-à-dire que tout de suite il y a eu quelques professeurs qui se sont intéressés par exemple à Soundtrap. On a même Sylvain voilà qui a même fait un tuto qu'il a mis à disposition du réseau d'ailleurs, hein, qui est sur le site des professeurs. Euh, et en voyant le témoignage de ces, de ces professeurs-là, ça en a encouragé d'autres. Euh, qui sont allés voir leurs collègues en disant, oui, euh, explique-moi, c'est quoi, comment ça marche euh, Voilà, des professeurs qui ne seraient pas rentrés directement dans les expérimentations proposées, ah. mais qui, du coup, euh, s'y sont mis. Et en fait, on voit au fil des mois, on voit une évolution euh, des pratiques et euh, vraiment, ça s'installe. Alors, pas forcément Centra, parce qu'il y a des outils équivalents euh, voilà, qui, qui ont été trouvés, mais vraiment, c'est une démarche qui se développe et tout doucement qui vient être proposée aux élèves. Donc, on a l'impression que qui a un rayonnement comme ça, tout doucement, qui soit une propagation comme ça des outils, ça se fait vraiment en douceur et je crois qu'il ne faut pas vouloir aller vite. Et par rapport à Earmaster, on a aussi des profs qui se sont concertés. Donc c'était vraiment une occasion de partager entre collègues, euh, et de, de, de bien rigoler parce qu'au début, on n'y comprenait rien. Ils n'y comprenaient rien et, et moi avec eux. Mais euh, ils ont vraiment euh, découvert un outil. Les expérimentations n'ont pas été forcément très concluantes au niveau des ados parce qu'on était dans une période vraiment difficile déjà pour les mobiliser. Mais c'est vrai que c'est des premiers pas qui en appellent d'autres, euh, qui, qui attirent l'attention le, le, sur le fait qu'il faut absolument découvrir ces outils pour voir ce qu'on a envie d'en faire, ce qu'on peut en faire et si ça correspond à nos projets euh, pédagogiques. Euh, voilà. Et je dirais pour ma part, pour ce qui est de la gestion de l'école, euh, ben c'est vrai que c'est un petit peu toute cette démarche qui m'a poussé aussi à me dire, mais comment je peux améliorer la gestion de l'école euh, J'ai mis une, une plateforme numérique en place euh, justement à cette rentrée scolaire avec des outils aussi bien pédagogiques que des... Que, que administratif Et, ouais. euh, et c'est très bien accueilli par l'équipe, effectivement, ce lieu qui centralise plein d'informations. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une réussite et je pense que je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu tout ce passé là, de, ouais. de rencontres avec Marie-Aline, avec ouais. le, le, les autres professeurs du réseau, euh, qui nous a permis de vraiment euh, bah, se sentir moins seul, euh, partager ouais. sur nos difficultés et, et, et lancer quelques petites modestes euh, évolutions euh, dans l'école. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, le numérique c'est indispensable euh, dans la gestion, je trouve pédagogique, euh, pour pouvoir se mettre en lien plus facilement. On est tous oui. et on travaille à des horaires différents sur des sites même différents. On, ah. a, on a quatre sites en fait, euh, deux principaux, mais quatre sites réellement. Donc oui. pour se voir, pour se concerter, pour prendre le temps de, de, de monter des projets pédagogiques, et eh ben, c'est vrai que le numérique c'est un outil, aussi bien euh, la visio, mais aussi les voilà, les, les Google Docs, enfin les documents partagés, ça c'est des choses qu'on ne connaissait pas et c'est vraiment très très précieux. Euh, voilà, mais par contre, euh, voilà, ça reste des outils. Euh, ça, ça ne peut pas être enfin, euh, ça ne sera pas la finalité de, de, de notre pédagogie, oui. de, 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 des apprentissages. C'est vraiment le terme d'outil qui convient bien pour, pour oui. plein de choses qu'on utilise déjà. C'est à dire, c'est pas la finalité, c'est voilà, c'est plus le, le c'est plus la feuille et le crayon. Et quand même, on a des, des, des pédagogies vraiment différentes. Quand je pense à la tablette numérique pour les arts ouais. plastiques, ou quand je pense à voilà, si on a de, par exemple, on a, on a un looper, parce qu'on a des professeurs qui su une formation sur le looper. Donc là, on a quand même vraiment une application pédagogique très, très claire. Enfin, c'est ouais. un c'est plus qu'un outil, c'est un instrument là pour ouais, le coup. Je ne pense pas qu'on ait forcément beaucoup de recul. Alors c'est vrai que sur tout ce qui est enregistrement, oui, effectivement, quand les élèves peuvent s'entraîner chez eux en ayant les pistes des copains enregistrées dans leur ordinateur et ils peuvent jouer leur partie sans être tout seuls, ou il y en a qui jonglent comme ça, qui s'amusent, ils vont mettre leur partie pour la travailler, après ils vont mettre la partie des autres pour pouvoir jouer dessus. Donc forcément, oui, c'est intéressant, mais ça ne peut pas remplacer la répétition ensemble. Euh, voilà c'est mmh. on reste encore dans des outils de répétition mais mais c'est pas l'objectif de même si on l'a fait de, de s'enregistrer et oui, de oui. mettre une vidéo oui. avec chacun chez soi sans son masque c'est n'est ouais, pas ça, du tout, tout la, la finalité de l'école voilà oui. qu'est-ce que je pourrais dire bah déjà qu'on voilà, qu a eu... Marie-Aline Bayon, qui est très dynamique et qui, euh, euh, qui se mobilise énormément, qui nous encourage, qui est toujours euh, disponible pour répondre à nos questions, pour, euh, pour nous donner des tuyaux. Donc c'est vrai que déjà ça c'est super. Euh, on a on a du répondant donc. Euh, C est, c est, voilà. Et après, c'est vrai qu'on peut avoir parfois euh, euh, bah, voilà, des, des, des réunions, euh, et après, il faut piocher dedans. On a toujours des, des informations, d'autres collègues. On, on, on prend ce qui, ce qui nous intéresse et, et on laisse ce qui, ce qui nous dépasse parfois des, des présentations où on se sent vraiment trop, trop oui. loin de, de la compétence. Mais ça permet de, ça permet de rester au courant et euh, de pouvoir espérer évoluer avec le temps. C'est-à-dire, sinon, on lâche prise et le jour où on veut s'y mettre, on est trop loin, trop éloigné de tous ces outils et de tout cet état d'esprit pour, pour pouvoir se raccrocher. Donc, c'est intéressant de garder un fil comme ça. Le réseau a ce côté très intéressant, c'est que voilà, ça va rester toujours un fil d'Ariane, quelque chose qui va nous conduire vers, vers de la nouveauté. Et on prendra, chacun prendra ce qu'il peut et ce qu'il veut.